famille, c'est Watt et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes tous posés tranquillou, pépère détendu devant YouTube et que vous êtes prêts à lâcher votre petit pouce bleu habituel. Bah oui, ça fait plaisir, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, on est parti pour une petite vidéo Fortnite Battle Royale. On va aller essayer de spawn à Tilted Towers pour voir où en est la météorite. Si c'est bien aujourd'hui que ça a pété, s'il y a eu un changement, si ça s'est rapproché. Parce que, effectivement, Tilted Towers va être. Ah, c'est les bails qui ont été annoncés, tout simplement, tous les spoils qui ont été annoncés sur YouTube, sur Internet, sur les articles et les spoils de Fortnite, tout simplement. Et tout le monde se pose la question, quand est-ce que ça a pété? Donc je vous propose d'aller faire un petit tour à Tilted Towers tout de suite, voir un peu comment c'est. Bah au passage, on va essayer de se glisser un petit top 1, comme on a l'habitude de le faire. On va essayer, je dis bien. Alors, messieurs, dames, comme on l'avait dit, on va essayer de spawn à Tilted Towers. Et là, en fait, j'ai l'impression que le coup de la météorite, c'était de la grosse merde, parce qu'elle est même plus là, cette salope. C'est pas vrai? Bah on va voir dans quel état est Tilted Towers, justement, parce que bon, apparemment, ça aurait été full détruit, quoi. En tout cas, vie du ciel, j'ai l'impression qu'on s'est un peu foutu de ma gueule. No, God, please, no, no. Bah écoutez, comme vous avez l'air de le remarquer, Tilted Towers n'a pas l'air d'être détruit. Je suis assez choqué là. C'est pas ce qu'on m'avait annoncé, c'est pas les bails qu'on m'avait annoncé. Bon, on va s'équiper. C'est pas ce que je voulais dire, voilà. Ça, c'est fait. Ici, il y a le chasseur. Là, il y a du monde. On va essayer de le pomper. Attends, il est juste à côté de moi là. On va le suivre. Et on y va. Terminé. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais en tout cas, il a essayé de le faire. Il avait un chasseur bleu. Il aurait pu clairement me faire mal. Et son chasseur bleu, ok, il s'est déplacé ici. Très, très bien. Et son AR verte, je peux la récupérer. Je l'ai déjà récupéré, en fait. Ok, nickel. Et là, il y a une putain de grosse popo. Ça, c'est la classe. Alors, on va réarranger ça vite fait. On va mettre ça là. On va mettre ça là. On va virer ça là. Nickel, impeccable. Et du coup, on va descendre. On va continuer notre route de farm, tout simplement. Sortir de Tilted Towers. En tout cas, c'est du putain de foutage de gueule parce que. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Tilted, c'est propre de ouf, y a rien qui dépasse, quoi. Alors ouais, ça a été détruit, nanana, je vois pas où, en fait, simplement. J'aimerais bien savoir où est-ce que la fight a eu lieu, là, parce que j'ai plus de construction, et si je pouvais éviter de me faire enculer. Donc lui, déjà, de base, il a pas l'air très très content. Donc je vais me mettre quelque part à droite pour pouvoir l'observer. Je vais descendre, je vais essayer d'aller récupérer le stuff qui est là-bas en bas, parce que, god damn it, ça va faire mal. Où il est, c'est pédé. J'ai eu trop peur! Ça compte pas, bordel. Pour l'instant, on a très peu de shield, mais ça devrait aller. 3 balles! 3 balles! Il a pris 40-40, et la troisième, je sais même pas si je l'ai touché ou pas. Mais dans tous les cas, on va essayer d'aller chercher, parce que il est pas bien, là. Il est à moins 82. Mais ça me fait chier que j'ai mis aussi peu, là, avec cette AR de merde. Et ouais, mon pauvre, t'es en train de te faire run, là. T'es en train de te faire run. Ah, la joie du run. On va récupérer ça. On va récupérer les explos. Alors lui il est. Où il est? J'ai v'là le monde qui me tire dessus. C'est pas très cool. Lui on va essayer de le run. Il doit être dans les bâtiments L. On va aller se taper là un petit peu. Et full foutage de gueule hein, pour Tilted Tower d'ailleurs hein. Terminé. Toi, t'as super mal joué. Et je sais qu'il y en a encore un deuxième là. Terminé. Pourquoi t'as voulu jouer la précision avec moi, sérieux? En plus, c'est l'arbalète. T'as vraiment zéro respect, quoi. Putain. Là-bas, il y a du monde sur la colline. Il y aurait pas un lama qui a spawn ici à tout hasard? Non, visiblement pas. Et je sais qu'il y a du monde du coup qui est monté là-bas derrière. Ça, c'est obligatoire. Et on va regarder un petit peu où ils sont. En essayant de faire plus de kills que ça, parce que pour l'instant 5k alors qu'il reste 20 personnes en vie, ça pue la merde. Mais on va essayer de faire ce petit top 1 de ouf là. Bon les amis, par contre, j'avais vraiment un truc à vous dire là. Il y a bientôt la Challenger League qui va péter de nouveau sur Rainbow Six Siege. Je compte vraiment pour vous. Je compte vraiment... Non. Si je compte vraiment pour vous, ou alors si je peux... Oh. Lui on va le run hein. Terminé. Voilà. Suffisait de faire le bait avec le petit le Grand Elogie. Grand Elogie. Je sais pas, on m'a dit que c'était super noob de faire ça, mais je m'en bats les couilles, je gagne des fights. Donc à un moment donné, il va falloir me laisser tranquille, ok? Lui, bien sûr qu'il a des mini potions. Impeccable. On va se mini poter. Il en a tout pile deux. Tac. Il a une aire bleue en plus. Hop. Nickel. On va reload l'air. Et on va partir essayer d'aller chercher le petit top 1 des familles. On commence à être bien les niveaux ressources.
Ah bref, je vous disais, avant qu'on se fasse interrompre par ce sacré pan là. Il y a la Challenger League qui va bientôt popper. Donc si jamais je compte pour vous ou je peux compter sur vous, hein, même si tu m'aimes pas trop forcément, eh ben, je vous encourage vivement à essayer de suivre cette Challenger League et de nous apporter le maximum de soutien possible. Je vais quand même essayer de garder les mains sur mon clavier souris parce que si je me fais enculer, tout le monde va bégayer et m'insulter. Et c'est pas forcément un truc qui me plaît quoi. Prochaine zone, ça va être du tomato. C'est la merde un peu de finir un tomato, ça me plaît pas du tout ça. Bon, j'en ai touché un une fois, mais comme je le vois plus et qu'il est dans les buissons, à mon avis il a dû monter sur la colline. Il est monté sur la colline, ou alors il a utilisé une répulsive pour pouvoir se monter sur la colline. Ça pue la merde. Dans tous les cas, il va m'attendre, il sait que je suis là, et il n'est pas dans le buisson. J'ai 17 balles, on va reload et on va aller le chercher, parce que là, ça commence à me saouler de voir des bambinos courir un peu partout. Peut-être que je suis passé devant et que je l'ai déjà cross en fait. Pour moi, le plus logique, ce serait qu'il soit monté justement ici, et que je sois pas en train de faire attention et que je vais probablement pas tarder à tomber en contact avec lui quoi. Sûr, il a cross. Il doit être là dans le coin, j'ai dû passer devant. Bon, on va essayer d'aller chercher. S'il me tire dessus ici au sniper, ça ira. Il est tellement loin que ça va le faire. On va le lance-grenader un petit peu. Pourquoi tu fais ça, gros? Pourquoi tu fais ça? Je sais que tu m'as vu en plus. Et si là, il me rentre le HS, sérieusement, je comprends pas du tout. Il m'a coincé, ce fils de pute! Terminé. Wouh! Oh, cette fight de débile. Où il est? J'ai pas de ressources du tout. Va falloir que je joue super safe. Je n'ai plus de ressources. Faut vraiment que là je build ou que je le run ou que je fasse un truc parce que genre j'ai plus rien du tout. Ou au moins que j'arrive vers lui en tapant. Voilà. J'ai 30 de ressources. Évite juste de me tirer dessus s'il te plaît fils de pute. Tu vas te faire run. Allez, c'est parti. Ouh. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles, il devrait y avoir du stuff ici. Il devrait y avoir du stuff, putain j'ai plus rien pour construire. Je n'ai plus rien pour construire. Il me faut des arbres, il me faut des trucs. Il faut que je descende, j'ai vraiment pas le choix. D'où il me tire dessus ce salopard? D'où il me tire. Oh putain ça claque dans mes oreilles, je suis vraiment pas bien. A mon avis il était dans mon dos. Oh là là. J'ai 60. 60 de construit. Oh, le top à le plus chaud. Cours comme un bambi, enculé. Il est où le loot? Attends, je vais rentrer dans la maison, je vais déboîter la maison. On va essayer d'aller chercher le deuxième pendant que celui-là il tombe. Il doit être là-dedans, je pense. Allez. J'ai pas de ressources. On va aller se planquer là-dedans. Il en reste que deux. Donc il y en a un qui est là au-dessus de moi. Et l'autre qui est je sais pas où.
On va le faire flipper, on va essayer de faire péter ça dans sa gueule. Terminé. Et l'autre, il est... L'autre, il est... C'est un 1v1. C'est un 1v1. Je n'ai zéro le droit à l'erreur. Allez, on va se mettre une petite trousse. Oh là là, mais cette partie, il n'y a pas beaucoup de kills, mais on tombe sur des full builders de l'extrême. Et j'arrive à peine à m'en sortir niveau ressources et tout. Ce qu'il faudrait peut-être que je fasse, c'est ça. Pour aller chercher le loot là-bas. Si j'ai un peu de chance. L'autre, il doit être en Égypte. Il est en train d'essayer de jouer ses kills de ouf. Et je vais aller chercher une caisse ici. Voilà, ça passe. Voilà, on va prendre la pote. On va prendre la potion, on va prendre le mini fort et on sera très bien. Hop. On va prendre ça. Encore des mini potions, ça c'est nickel. On va prendre ça. Tout en essayant d'éviter les coups adverses. Ok, impeccable. Maintenant, où il est le monsieur? Où il est le monsieur? Putain, comme on a build comme des sacs ici. Vas-y, fais voir poteau, fais voir. Si je te vois, je te lance une tour dessus. Viens là. Ah là, enfoiré, t'es où? Y'a quoi là-dedans? Y'a encore du mini-shield à mort. Hop. On va essayer de virer ça. Où il est le monsieur? Il doit être... Techniquement, il doit être en bas. Il devrait être en bas, il devrait pas être loin. À mon avis, il doit se déplacer là-bas derrière. C'est une certitude, il doit être là-bas derrière. Ah! J'ai plus de quoi bulle. Putain, je suis tombé en dessous du fort. Ça, c'est la merde. Donc l'autre, il doit être là. Voilà, terminé. C'est un top 1. Ouh! J'ai bégayé. J'ai tellement cru que j'allais le rater. C'est un top 1. Oh! God damn! Ouh! Ce top 1 m'a filé mal au cœur. J'ai envie de vomir. Je me sens vraiment pas bien. C'était un truc de ouf. Ah, maman, j'ai envie de vomir. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé, c'était full build, c'était full réfléchi, c'était full merde. J'étais dans la merde totale, donc pour me soutenir et m'encourager à réaliser ce genre de vidéos sur Fortnite, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'étais dans la merde tout du long, j'avais rien, j'avais pas de shield. Ok, j'avais des balles, j'avais un lance-roquette, j'avais pas de construction. J'aurais peut-être dû farmer, mais c'est un peu chiant à farmer effectivement. Ça a été fait, je me sens super soulagé. Et je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau live. Ciao tout le monde. Peace. Oui, ça, oui. Bye bye.